Et bonsoir à tous, c'est Mangavert et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel let's play. Encore une fois, ça fait beaucoup de let's play. On est sur Dragon Ball Z Kakaroto. Oui, après, je sais pas quand il est sorti le jeu exactement. Mais après un long moment, le jeu, je le fais que maintenant. Parce que je suis comme ça. Et qu'on va commencer une nouvelle partie. Donc le jeu tournera. Allez. Ça dépend. Il tourne assez bien sur mon PC encore. C'est pas un truc qui bouffe énormément. Je pense que les cinématiques qui sont pas vraiment importantes, comme celle-là, je vais la passer quoi. Je vais éviter de. Ok, bon. Le problème étant, c'est que moi je suis sur PS4 et pas sur Xbox, les enfants. Mais c'est pas grave. Un caméra, alors je comprends pas tout. Alors attends. Elle. Ah ouais, alors attends. Ok, je teste un peu. Ah merde. Je joue. Tiens. Ah ouais, il est vraiment chaud. Hop là, 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 hop là. Super charge. Et boum. Et voilà. Bon, je galère un peu parce que je ne connais pas trop en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est totalement normal. Thank you.
Arrêter l'invasion Saiyan. Ok. Ça, c'est le tout premier arc de Dragon Ball Z. Alors, voilà. Ça donne un peu l'idée de ce qui en suit du jeu. Mais en tout cas, ce jeu, le jeu est pas mal. Il est vraiment cool. J'ai choisi. Ok. この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。嵐の予感、強襲サイヤ人。Hop là. Bon, cette cinématique n'est pas si importante que ça, mais pour résumer, en gros, Vegeta, Nappa et Raditz. Ouais, non, ça c'est des cinématiques inutiles. Vegeta, Nappa et Raditz, enfin, Vegeta et Nappa ont envoyé Raditz sur Terre. Et du coup, en fait, Raditz pense que Kakarot, donc Goku, est toujours sur la Terre, et effectivement, la preuve. Et du coup, voilà ce qui s'y passe, en gros. Et du coup, en fait, là. Et où God? Hop là. Oh la vache. Goku il court vite hein, j'en peux plus. Et boum! Ok. Oui, c'est bon. Putain. Faiblard. Je suis obligé de l'attendre, ce gros faiblard de Gohan. Allez, allez, allez. Ah ouais, mais il est fatigué.
んだ、しょうがねえな。わーい、言った。バーグクシー、リフォー。わーい、社会的かい。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。Je ne savais pas que Goku dirait des choses intelligentes pour une fois. La question qui me pose, c'est si Gohan avait. Enfin, aurait développé son ki jusqu'à l'âge de. Allez, à l'arc où il se transforme en Super Saiyan et qu'après celle, il aurait continué à s'entraîner. Je pense que Gohan il serait devenu hyper fort. Hein. En vrai, il aurait pu même atteindre le Super Saiyan 3 hein, et il aurait pu rivaliser avec Goku, défoncer Vegeta. Parce qu'en fait, concrètement, si Gohan s'est entre guillemets faibli entre temps, c'est parce que. Là je spoil, mais bon, je pense que tout le monde a déjà a déjà entre guillemets joué à Dragon Ball. Allez le poisson, là je te vois là. Bam! Et boum! Un gros poisson. Par contre, je me demande comment le truc il a pu tenir. Tu m'excuseras. Bon, est-ce qu'on va le cuisiner? Hop là, et le jeu il est vraiment bien. Bon, là vous voyez ma flèche de souris, c'est normal. Hop. Alors attendez, hop. Et voilà, c'était juste pour l'enlever. Non, on la voit toujours. Bon. Je suis désolé si vous voyez ma souris. Hein. Je suis vraiment désolé. Bon. Est-ce que. Ouais, ça je sais, je connais un peu. Je connais Dragon Ball Kakarot, hein. Frère, ne me. Bon, rentrons à la maison. Hop là, Kinto. Donc on est en Kinto. Et boum. いい子にしてみると均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みたいだな。はい、大丈夫。え、ボーム、アンキント。En vrai, ça va, le jeu, je fais tourner plutôt pas mal. Pour qu'elle te prépare à manger, ouais.
Cuisine, ouais. Chichi, par contre. Un poisson bouilli. Tranche de vie. Fouille de la maison. Ah, il y a une. Et ouais. J'ai un succès déverrouillé. Donc par contre pour Dragon Ball ZK Karuto, j'ai déjà les deux DLC. Donc celui qui était sorti pour l'arrivée de God Goku et de Blue et de la résurrection de Freezer. Elle est certes différente, mais voilà. Et je ferai certainement pas les combats secondaires et tout ça. Ouais, ouais. D'accord. J'en ai rien à faire. Des emblèmes et tout ça. Oui, ça c'est des cinématiques vraiment. Je pense que trois quarts des gens s'en foutent. Vraiment trois quarts. Hein. この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は、ça c'est pour équiper et expliquer les Dragon Ball. Donc en gros les Dragon Ball, si tu peux faire un souhait tout ça. Pas forcément. Ouais, il y a Piccolo. Et boum. Donc là, on est sur l'île de Tortue Géniale. Ça me rappelle des souvenirs. Goku! Yo! Ara! Nani, sono ko? Ora no ko da! Goku no ko? So da yo! Konnichiwa! Hai! Son Gohan chun da! Son Gohan! Eh oui, c'est vrai! Tout le monde l'a oublié que ça, Son Gohan, c'est le nom de son grand-père à la base, à Goku. Hein. Tout le monde s'en fiche, hein. Enfin je pense. Quand je dis tout le monde s'en fiche. Ah ouais, quand il lui a donné le nuage magique. C'est Tortue Géniale qui lui a donné le nuage magique. Le manuel d'entraînement de la tortue. Ah ouais, lui c'est pour les entraînements. Mais en fait ça sert à rien de mettre ce genre de... Je pense damsel et tout ça. Ça sert à rien. Concrètement c'est pas un truc utile je pense. Alors oui, je vais faire la première quête secondaire en soi. Je vais pas commencer directement par la quête principale. Ok, il a eu. Oh, os, non, yo. Oui, bah oui, je vais chercher ton livre, Tortue. Mais il est forcément quelque part et il est pas très loin, je pense, à mon avis. C'est ton livre de pervers là. Sacré Tortue Géniale, quand même. Ou Monsieur Roshi, enfin, comme vous voulez, ou Jackie Chan. Parce que oui. Il y avait une putain de référence à Jackie Chan. Nani? Nanka chikara ga dene na. Ima wa yoji o sumasa. Ah ouais, putain. Et la tortue qui va nous en dire plus. Os. Hmm.
Ouais, il a sorti sous terre ce connard. Il... Hop là. Et là, on va le trouver. Je crois que c'est son magazine de. Non. Et là, on gagne normalement de l'XP. Ouais. Des médailles et tout ce qu'il faut. Normalement, je passe pas le level 3, mais peut-être que. Non, je passe pas le level 3. Bon, allons parler à, du coup, Krilin. À mon avis, on va devoir l'affronter dans une petite session d'entraînement, je pense. Et je crois qu'on va. Ah, si ça se trouve, on va peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Je vais faire, c'est peut-être pas la quête principale, mais. Ah, si, c'est la quête principale. Et voilà. Explosion d'énergie consécutif, ça c'est pour récupérer une technique, je pense, à mon avis. Donc, on fait. Ouais, ça va, faut pas. Ouais, c'est vrai que. Terminer avec un camion, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop là. Déjà maîtrisé, ah ouais. Bon. Et là, si je fais objet. Ah ouais. Il pourra tout. Ah le bâtard. Personnage. Je crois que c'est Y, arbre de compétence. Passer et ouais voilà puissance suprême niveau 1 donc ça je pense que c'est déjà acquis. Alors, ça par contre non, ça par contre non, donc ouais pierre paf pied ciseau et frappe corporelle niveau 2. Alors, on augmentera petit à petit je pense. Continue l'histoire. Donc déjà, voilà. Je suis désolé, je vais passer toutes les cinématiques qui peuvent durer un peu plus longtemps la vidéo. Et je m'arrêterai sur un... Sur, je pense, à un moment donné. Ouais, donc là, non. Je crois qu'on va jouer Piccolo. Piccolo, c'est vrai qu'il peut ressentir une puissance. Piccolo, c'est... pas prendre à la légère. Et bon, alors par contre, je maîtrise pas encore totalement. J'avoue que là, il sous-estime plutôt le régime.
J'avais oublié cette insolence de la part de Raditz. Vraiment, c'est plus une insolence là, c'est un truc de ouf. Ça tue comment il l'a ridiculisé en vrai. Je pense qu'il y a des trucs secondaires qui peut-être sont à l'histoire, mais donc je le ferai pas.父よ、かかろ今まで何も貴様生まれはそしてこの俺は貴様は我々異星人この星幸いな。おい、ここには伝わる。好きが。何のことかそい。ほら、ここに惑星残ったそい。この底を攻めた。そこで思い出したな。お前が目を覚ます。墓行ってろ。後ろ。 Goku versus Raditz, il y avait eu un tout premier combat Goku versus Raditz. Mais il était nul à chier, je crois. Alvatar. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Mais ça va, tu. En plein mon combo là? Connard! Tiens! Surcharge! Bim! Qu'est-ce que ça fait en plus? Et boum! Hop là. Il est super Goku, Super Saiyan 3. Niveau 3. Il est Super Saiyan 3, je suis un taré. Oh! Un coup? Je m'attendais à mieux. Raditz en fait c'est le grand frère autoritaire contre qui tu peux rien faire, tu vois, genre plus fort que toi. ドラゴンレーダー持ってか。そうか。ゴハン君の帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。
かバチかだ。お前一人では無理だ。Piccolo-san, bon ça c'est... Piccolo et Goku c'était un peu obligatoire. C'était vraiment le B.A.B.A. en fait. Qu'est-ce qui est ? Tu reçois un nom de Vigitalu. C'est une guérison rapide, ouais. C'est vrai que Goku il s'est pas volé, il y a que Go. Quoique si il s'est volé. Mais je pense qu'il se sert du kit de magie. T'inquiète pas Gohan, on arrive. Bien, je crois que le dernier combat c'est que je vais faire et qui va clôturer la vidéo, c'est Goku contre Raditz. Enfin vous. De toute façon. Alors attends, c'est je crois... Ouais, c'est là. Voilà, hop. Et hop là. Et normalement, une fois que je serai arrivé là, je dis une fois, je pense qu'il y aura un combat très très stylé. Franchement, les combats de DBZ Kakaroto, ils sont magnifiques. J'ai hâte de vous faire, quand j'aurai la PS5, j'ai hâte de vous faire aussi Spider-Man Miles Morales. Et j'ai plein d'autres jeux qui sont en cours de route et qui vont suivre beaucoup. Enfin, qui vont faire... qui vont en fait suivre beaucoup de let's play. Il y aura tous les Assassin's Creed. Je m'engage à faire tous les Assassin's Creed, même si, bon, comment dire, même si les Assassin's, il y a certains Assassin's Creed sont claqués au sol. Concrètement, je vais pas vous le cacher. Bon, on peut pas accélérer avec ça. Alors attends. Ça c'est camp d'entraînement. X. Non, c'est pas ça. Mudada. Yatsu wa myou na kikai de oretachi no ichi ya tsuyosa ga wakaru rashii de. Oretachi ga chikazuite iru no kizuite iru hazu. Soka. Mashoumen kara yaru shika ichi wa nai wake da. Je vais voir un truc. Déjà. Personnage. J'ai que Piccolo peut-être. Y carte de compétence. Je ne peux pas le faire. Ah ouais, j'en ai pas beaucoup des verres. Par contre, je peux potentiellement augmenter sa puissance. 5% de dégâts infligés aux ennemis. C'est... Ouais, il me faut 400 de... C'est vraiment, je pense, plus tard que je pourrais améliorer Piccolo. Du coup... Ouais. Je l'ai pris, non? Ah, c'est 400. Putain, ils abusent. Même pas augmenter en fait faut encore alors merde je sais plus c'est quoi les touches système option. Bon, c'est peut-être pas le moment.
Peut-être parce que j'ai le ketone, que je peux pas le faire. En tout cas, sachez que je n'utiliserai plus de véhicule. Je n'utiliserai pas de véhicule, j'utiliserai que le truc classique. Déjà, il y a le... ...50% et hop. Hop là. Donc là j'ai donné 50% je crois de dev de ki, ou un truc comme ça. Ah ouais, il regarde constamment si tout est bon en fait. Et ouais frère, tu... Attendez, hop. Hop là. Je retire juste une prise. Oh, Piccolo quand il relève sa veste. Donc ça c'est le premier combat que j'ai eu, Goku niveau 4, Piccolo niveau 3, déjà. Mais avec puissance combinée, vous restez pathétique. Eh bah non frère, en fait tu vas voir que ça va tout se jouer. Tu vas perdre. En vrai c'est plutôt fluide pour du 30 FPS. Hein. Sur un jeu. Pour un jeu qui est optimisé plutôt pas mal. C'est quoi, je veux bien te le dire, les deux scènes où je t'ai parlé sont encore plus puissants que moi. C'est vrai que Vegeta et Nappa sont plus forts que Goku. Là, si Goku les affrontait à son niveau, bah il mourrait, ainsi que Piccolo et la Terre. Badaboum. Et j'avoue, je me demande si... Par exemple, Goku il aurait été poussé à bout au point de se transformer en Super Saiyan face à Raditz. Je pense que Raditz il serait mort. Hein. En vrai, parce que le Super Saiyan ça multiplie fois combien, fois 10 non, ou fois 50 la puissance de l'ennemi. Donc là, il serait mort en fait. Et Goku, s'il aurait appris Super Saiyan, il aurait pu sauver en fait. Il aurait pu gagner contre Goku. Vegeta et Nappa sans problème en continuant de s'entraîner avec Piccolo. Et en vrai, à sauver. Aussi la planète Namek sans problème. Il aurait même peut-être, si par exemple Goku était en difficulté, il n'utiliserait pas sa puissance maximum. Mais il aura pas le Kaioken, ça c'est sûr. Donc... Ah, on n'a pas de... On n'a plus notre cher ami. Alors là par contre... Oh,
pas le bâton. Hop là. Ah merde, putain. Oh, moi je suis pas encore assez fort. En vrai, hop. Hop là. Putain, mais sérieux lui, Raditz, je me concentre. Hein. Fait de la merde, j'avoue, et je me suis pas assez concentré, mais j'ai quand même gagné.
戦闘力1330。すべての戦闘力を指先だけに集め。くそ、こいつら力を自在に操りやがる。えわえ。油断したな。もう疲れたぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。あ、vraiment leur tenir par la queue, les Saiyans, ça a l'air d'être horrible. Genre vraiment c'est le truc le plus... J'ai l'impression que c'est le truc... c'est comme si t'avais genre 30 000 mal de ventre, 30 000 douleurs, je sais pas. Là, lui, c'est... Là c'est toi Goku qui a baissé ta garde. Et boum. C'est très beau. Et voilà. De toute façon, ils vont le ressusciter avec les dragons. Et voilà. この星にはドラゴンボール。そいつに頼めばどんなのだが、はあ、はるかこの俺がその二人が一年さ今度こそラディッツエヴァ。Étant donné que Raditz est mort, concrètement, c'est pas... voilà. Non. Au revoir Goku. Goku. Et quand ils vont... しかし貴様らはドラゴンボールを授けたが、な嘘だろ。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦一年後に。Bah oui, parce que en fait, Piccolo il a vu la puissance de Gohan, hein, concrètement, mais bon. Ça en fait, concrètement, si Goku serait pas fait avoir le Makenko Sampo, il aurait fait des dégâts. Oh, c'est Namek, ça, non ? Ah non, pas du tout. C'est Arsène, mais ce n'est pas Namek. Raditz, mais... Nappa, voilà. Nappa Vegeta. C'est un combat incroyable. Quand Goku, il défend juste Gohan... putain, qu'est-ce que je raconte ? Quand Goku défend juste...
というわけで修行させたく、などうかエンマ大王様、こやつ、なるほど、天国へ行ける者、わざわざ危険を犯してまで100万キロもある蛇の道を通り、ダミオ、はい、よかろう、そんなに、ただこの1億結構厳しいんだな。ところでさ、オラのちょっと目に、ああ確かに来たぞ、暴れなかったか、暴れた暴れた、杖、おめえと来たが、あのな、わしはエンマだよ、分かって、全然だが、est-ce que attends, le roi Enma tue est-ce qu'il enferme tous ceux qu'il a tués en enfer, enfin que tous ceux qui ont été, Tout le monde.お前の兄がそうだったようには。 Oui, donc en gros, en fait, ça concerne toutes les planètes, mais c'est ouf. Parce qu'en fait, moi, la question c'est question 4. J'avais oublié qu'ils essayaient de faire une blague, ce fou. Roi Enma et tout ça. Ça, c'est ceux qui sont de là. En soi, c'est pas si compliqué que ça. Dans Dragon Ball, tu crèves, tu peux te faire ressusciter. En vrai, les Saiyans, c'est quand même la race la plus ouf et la plus puissante. En fait, il suffit que t'aies 10 Arekou Zenzus. Que t'affrontes, par exemple, je sais pas. Allez, on va dire Freezer sous sa première forme. T'as deux doigts de crever, tu prends un Senzu. T'es à, presque à son même niveau. Bam! Enfin, t'es au même niveau que lui, tu le surpasses même. Il se transforme. Et tu sa deuxième forme. Il t'éclate, tu reprends, t'es à son même niveau. Tu fais ça, allez, tu fais ça, je crois, 3 fois. Il atteint sa forme finale. Il t'éclate ta grand-mère, tu fais encore une fois, t'es à ex-aequo, il t'éclate encore parce qu'il utilise sa pleine puissance, tu vois, en gros muscle. Bam! Tu reprends. Et là, t'es ex-aequo presque. Vous êtes ex-aequo, t'es affaibli, t'en reprends un autre. Et là, tu l'éclates sa mère. En fait, la race Saiyan, t'es pas forcément obligé d'avoir le Super Saiyan pour battre quelqu'un. Il suffit juste que tu jauges entre les boosts Zenkai et tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement utile et cité que si quelqu'un est du niveau... qui est à un niveau que Goku Vegeta dans Dragon Ball Super, franchement le mec s'en sort plutôt bien. Genre le mec il pourrait faire ça à l'infini, il pourrait même atteindre un niveau de Super Saiyan, pardon, un niveau de Super Saiyan Blue juste avec les haricots magiques, hein. Et encore. Enfin bon, là pour ce coup là, ça va être la fin de cette vidéo. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était Mangifère, bye.